Pendant ce temps-là, les automobilistes continuent à se ravitailler et trouver la station-service encore alimentée en carburant s'apparente parfois au parcours du combattant. Ici, plus de sans-plomb, là, plus de gazole, mais certaines stations ne désemplissent pas. Les files d'attente sont toujours aussi importantes et après une semaine de conflit, la patience des automobilistes est mise à rude épreuve. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Sophie Baconin et Clélia Gauthier. J'ai pas mal tourné ouais, vers chez moi, il n'y a aucune station qui est en service. J'ai fait à peu près 5 stations et je n'avais pas trouvé ce dont j'avais besoin, à savoir du sans-plomb. Et là, j'ai vraiment besoin d'essence, je dois ramener mes petits-enfants sur 300 km, je peux pas m'en passer là. Donc on va faire l'effort de faire la queue.